Attention, c'est parti, attention. Tout a commencé par la poterie culinaire. Alors bien sûr, les faitous, les plats, les pignates, et puis certains potiers à la fibre artistique plus développée se sont lancés dans la poterie décorative. Toutes ces étapes de l'utilisation de la terre à Valoris sont résumées ici dans ce musée de la poterie chez Michel Ribeiro. Michel Ribeiro, c'est déjà pour vous la deuxième génération de potiers à Valoris, mais ces lieux là où nous sommes ont été utilisés bien avant vous. Hein. Oui, cette fabrique dans laquelle se trouve le musée et où mon père exploitait cet atelier de céramique date de 1868 et avait été créée par M. Autran Massier. Et a été exploité par différentes personnes, M. Girard et ensuite M. Platon. Et alors, qu'est-ce qu'on y a fait ici comme poterie ? Essentiellement de la poterie culinaire, de poterie utilitaire, tout ce qui servait à la cuisine et donc la fabrication la plus traditionnelle de Valoris. Et quand votre père a repris, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Lui, c'était une autre époque, c'était juste après-guerre, et on a fabriqué plus des céramiques décoratives, des céramiques qui étaient ce qu'on appelle le kitsch des années 50, avec les graffités, les flammés, tout ce qui a fait hurler parfois, par moments, certains potiers très culturels de bon ton. Et vous, qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui ? Nous continuons l'activité dans une céramique beaucoup plus à caractère publicitaire, des céramiques qui s'adressent aussi à des magasins qui fonctionnent l'été pour le tourisme. Ce sont des céramiques, comme beaucoup de céramiques, de céramistes sur Valoris fabriquent encore. Hein. Alors revenons au point de départ, à la poterie culinaire, mais quand elle a cet âge-là, elle est devenue bigrement décorative. La présence d'une terre réfractaire dans la région de Valoris a naturellement conduit à la fabrication de poteries culinaires. Le démarrage d'une production significative se fait au XVIIe siècle lorsque les moines de Lérins refondent le village avec des familles ligures possédant un savoir-faire dans le domaine de la poterie. Le XVIIIe siècle invente le décor jaspé, fait avec des giclures d'engobe, des argiles liquides de différentes couleurs. C'est avec le chemin de fer que l'expansion s'accélère. On passe de 40 potiers à la Révolution à plus de 50 fabriques un siècle plus tard. On exporte en Europe, en Afrique et en Amérique. Dans les années 20, les fabriques se regroupent, la commercialisation s'organise. Mais c'est déjà la fin de la terraille. Malgré un sursaut pendant la Deuxième Guerre, par manque de métaux, la poterie culinaire est remplacée par la fonte et l'aluminium. Les pignates laissent place à la céramique décorative et de création. Alors quand on parle du XVIIe siècle et de cet engouement pour la poterie de Valoris, ça a commencé bien avant tout de même. Hein. Oui, ça a commencé avec des Ligures qui sont venus s'installer sur Valoris, qui ont repeuplé donc Valoris. Après la Grande Peste. Après la Grande Peste et au début du XVIe siècle. D'ailleurs devant vous, le pot qui est là devant voilà. Vous est un pot du XVIe. Voilà, c'est un pot qui a été retrouvé dans une fouille à Grasse, qui nous a été confié par le CRA de Valbonne et l'association de fouilles archéologiques par l'intermédiaire de M. Gassin. Et il date du XVIe siècle. C'est un objet exceptionnel. D'ailleurs, en fait, on peut remonter les siècles. Hein, voilà, 16e, 17e, 18e, 19e. Et puis, bien sûr, le bleu, ce que vous allez voir dans un instant, voilà. qui est au 20e siècle. Ce n'est pas une industrie. Hein. On fabrique, on vend, on échange même quelquefois. Oui, c'est une... J'ai eu quelques petites histoires comme ça parce que j'ai souvent parlé avec les personnes âgées et certaines me disaient que leurs grands-parents venaient avec des charretons à Valoris
prendre des marmites dans les fabriques et repartaient dans l'arrière-pays, échanger contre des légumes secs ou contre de l'alimentation qui revenait revendre ici. Et c'était tout un commerce de troc qui se faisait. C'est étonnant tout de même parce qu'il y a de la poterie de Valoris qui est retrouvée dans le monde entier. Oui, mais bon, chacun se débrouillait un peu. Il suffisait d'avoir la personne qui avait un mulet ou un cheval et une charrette, partait et puis faisait son petit commerce, vivotait comme ça et passait de ville en ville vendre les produits de Valoris, qui étaient très réputés, d'une solidité exceptionnelle, d'une qualité aussi exceptionnelle. Et les aliments avaient un meilleur goût cuisinés dans ces poteries. Bon, je fais encore la publicité de Valoris. Alors, spécialisation dans le culinaire, mais spécialisation aussi chez les ouvriers. Oui, là c'était là on peut parler d'industrie parce que les potiers, les tourneurs potiers qui travaillaient dans ces fabriques et avaient décomposé les tâches et avaient décomposé les séries de marmites qu'on voit ici, les séries de poêlons, les séries de pichets, enfin, toutes les pièces en différentes catégories, et chacun faisait qu'une partie de la production. C'est-à-dire pour un gain de temps et... une rapidité, surtout, surtout la rapidité du geste. Et puis alors, pour rien gaspiller, surtout. Hein. Pour ne rien gaspiller. Alors, un faisait les grosses pièces, un autre faisait les moyennes, et le troisième faisait les petites pièces. Donc tout ça est une question de dimension. Et c'est-à-dire que ce sont des gestes très mécaniques, c'est un métier très manuel, donc la rapidité était très importante, surtout qu'ils étaient payés à la pièce. C'était le taylorisme avant M. Taylor. Alors, la spécialité de Valoris, bien sûr, c'est la pignatte. Voyez comment ça se fait. Alors là, ce qu'on fait, on met la terre dans l'axe du tour, on centre la terre, ensuite on va la pincer la terre. En pinçant la terre, avec la rotation du tour, elle va monter. Voilà. Ça, c'est la façon traditionnelle de monter la terre. Mais dans l'ancienneté, c'est-à-dire il y a quelques 50 ans à peu près, pour faire les marmites, on les faisait avec le fond, c'est-à-dire à l'envers on les faisait. C'est-à-dire on faisait le bord en bas et le fond en haut, comme ça. Voilà. Alors on donnait un semblant de forme. Voilà. Et il faut maintenant fermer la marmite pour avoir le fond. Alors là, on resserre la terre doucement entre ses doigts. Voilà, comme ça. Voilà. La terre est enfermée. On passe un coup d'estec droite. Voilà. Voilà. Là, la marmite est terminée. Alors là, une fois la marmite terminée, on prend le fil, un fil tout simple. On coupe, comme ça. Voilà. Et normalement, on a une planche. On pose sur la planche, comme ça. On remplit la planche de marmite. On va au soleil. Et qu'un quart d'heure après, on prend la tapette et on fait ça. On fait le fond. Deuxième étape, on fait ce qu'on appelle en patois, en provençal, un revirail, sur lequel on va poser le fond de la marmite. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. On prend la marmite qui est un peu séchée d'ailleurs, on la met à l'endroit. On pose là, on se titule. Voilà. À ce moment-là, voilà. Là, on continue à travailler. Vous voyez ? Parce que là, elle est molle. Hein. Et on fait la marmite définitivement. Comme ça. Alors là, avec l'outil, toujours pareil. On l'a fini, disons. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, quel est l'intérêt, Louis, de faire les marmites à l'envers ? L'intérêt de faire la marmite à l'envers, c'est qu'on peut en faire de très grosses sur le même tour. Alors que si on les fait de grosses marmites sur un petit tour, on ne pourra pas les faire. Là, on n'est pas limité par la grandeur. Enfin, voilà. Là, la marmite est pratiquement aux formes classiques. Voilà, comme ça. Le tourneur arrive tôt le matin, lui, et il commence à tourner les ébauches. Il les met sur une étagère en face de son tour. Quand l'engobeuse arrive, un peu plus tard que lui, elle sort ses planches. Angobeuse à Valoris se dit rébellissière.
En gros, c'est embellisseuse. C'est elle qui finit les objets. Lui, il les tourne, les tournasse ou les revire, et l'engobeuse fait tout le reste. Elle pose les anses, elle passe l'engobe, elle passe le vernis. Il s'occupe de pièces. Le tourneur s'en occupe plus du tout après. Lui reste confiné à son tour dans son atelier. Celui qui touchera après, c'est l'enfourneur pour les mettre dans le four. L'enfourneur commence par monter ses marmites en mettant des petites cales triangulaires avec des tuiles. Ce qu'on appelle des tuiles, en fait, ce sont des tuiles. Celles du bas n'ont pas de trou en général. Quand il arrive à la hauteur, il met dessus ce qu'on appelle un mallon. Un mallon en terre. Et il garnit tout le bas du four. Ensuite, il passe dessus et là, il utilise des tuiles. Les tuiles ont des trous triangulaires dans lesquels on passe des baguettes en terre triangulaires. En général, on a fourni en bas les marmites qui n'étaient pas glacurées à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on pouvait poser directement plusieurs pièces, une à l'intérieur de l'autre. Et en haut, celle qui est déglacurée, dehors et dedans, avec des pernettes pour les séparer, pour que la glaçure ne colle pas. La flamme qui sort par ces trous, qui garnissent le plancher du four, et ressort sous forme de fumée par les carreaux dans la voûte. Une fois que tout est enfourné, l'enfourneur, avec des briques, bouche la porte, carrément il la mure avec des briques et un mélange de terre et de cendres, de manière qu'en cuisant, elle ne devienne pas si dure qu'on ne puisse pas l'enlever. Et la porte est complètement bouchée, sauf un petit trou qui est ménagé dans la porte, un tout petit trou, qui va servir à voir l'intérieur du four pour apprécier la fin de la cuisson. Et bon, maintenant il y a des montres et des pyromètres, mais à l'époque on mettait des petits poêlons. Et avec une tige de fer, il tirait un poêlon vers la fin de la cuisson pour voir si c'était cuit. Il commence le feu vers 6 heures du soir. Et ce petit feu va durer, bon, jusqu'à minuit il revient, il regarnit avec des gros billots, de manière à faire un petit feu pour finir de sécher les pièces et à commencer à les échauffer. Et ce petit feu dure jusqu'au matin. Alors là on commence avec des estelles. Les estelles sont, en provençal, les estelles sont des refentes de bois, de pin. On commence le grand feu. Et à ce moment-là, on envoie des garnis. Une garnie fait à peu près 80 kilos. À ce moment-là, on a l'enfourneur et son aide qui jettent chacun dans un des alambis. Et ils jettent un peu partout sous le four, de manière à ce que la flamme se répartisse bien dans le four. La cuisson dure 24 heures. Et 24 heures après seulement, on commence à rouvrir les portes pour faire refroidir l'intérieur. Et le lendemain, on démonte la porte et on commence à défourner. Mais c'est encore très chaud dans le four à ce moment-là. Et il faut bien sûr avoir au moins deux fours hein, pour alterner, Michel Ribeiron. Oui, bien sûr. Les fabriques, en général, étaient équipées de deux fours. Lorsqu'un cuisait et refroidissait, l'autre, on le chargeait. Et quand la première avait fini de cuire, on attaquait la cuisson. Donc ça durait à peu près tous les 15 jours, on avait un four qui cuisait. Et à Valoris, 60 fabriques en même temps qui fonctionnaient, ça faisait une fumée noire épaisse qui se voyait de très loin dans le, ah, dans le quand pays. Quand on parle de pollution, ça c'était une pollution. Et puis en plus, un déboisement important quand même aussi, hein, parce que ça ne tourne pas avec 3 kilos de planchette. Hein. Non, là il faut, on est pour un four du volume du mien, là, il faut à peu près 10 tonnes de bois. Mais la gestion forestière était très 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 stricte à l'époque. Et donc, c'était une source de revenus pour les communes très importante. Donc, puisqu'on en est à parler des revenus, si on parlait un petit peu des revenus du potier et de l'ouvrier qui est payé à la charge, c'est quoi ça? Alors, la charge, c'était une ancienne mesure. Ça correspondait à environ à ce que pouvait porter un mulet, mais dans des temps très anciens. Et alors, chaque ouvrier... Ce qu'il pouvait porter en terre brute, en fait, hein? Oui, c'était une unité de mesure. Et donc là, on a l'exemple d'un poêlon de 40. Alors on va partir à l'envers, c'est-à-dire que le poêlon est numéroté 40, c'est le plus petit poêlon qu'on trouvait. Et pour faire un nombre, il fallait 40 poêlons comme ça. Et pour faire une charge, il fallait 12 fois 40 poêlons. 12 nombres. On arrive à faire une charge en combien de temps? Ça allait assez vite. Hein. Il y en avait qui en faisaient une par jour ou deux par jour. Ça allait très, très vite pour des petites pièces. Mais c'était un travail énorme parce qu'il fallait faire le poêlon, la queue, coller tout ça. Mais là, ils étaient à deux, c'était la rébellissière qui collait. Et... Alors,
Tout dépendait de la rapidité, de la dextérité du tourneur. Alors il y en avait certains qui en faisaient une, d'autres en faisaient deux. Enfin bref, ça dépendait un peu l'expérience et puis aussi le métier. Quoi. Bien sûr. Alors tout à l'heure, on a vu Louis Mathieu qui a devant nous tourné une pignate. Alors, un geste presque perdu, et chaque fois que l'on perd un geste, on perd presque le mot qui va avec, d'où perte de vocabulaire. C'est ce que va nous expliquer en détail maintenant Gérard Tronin, qui vient s'asseoir avec nous, là, Gérard. Eh oui, Jean-Paul. Figuratique, lingua et economia sont estrechamente ligate. Eh oui, quand on arrivait, quand les gens venaient à Valoris ici avant, ceux qui venaient travailler dans les usines, ils prenaient la langue de l'usine. Alors, s'ils parlaient provençal dans les ateliers, dans les usines, dans les carrières, d'apertout. Mais, de temps en temps, il y a quelques problèmes. Et quand l'économie s'incale un peu en douga, ou alors que de nouvelles machines arrivent sur le terrain, eh bien, on perd les mots. Alors, l'humote qui est bien avant, eh bien, à eux, ne servent plus. Il y en a un mandat, les jetent foire, c'est casé, kumako. Espéraco que tout a saudera plus par là, ni des clavels, ni des scoïs, et manque de bouc à four. Ako, hein? Et à rajouter à Zako, la vergogne de parler la langue, eh bien, finissent finalement plus d'égumes par là. Mais je reste quand même un peu positif, parce que la rode à vire, la langue revient, et pour l'économie, Bessay qui aura espéré encore un peu. Aujourd'hui, le mot du jour sera claveo. Le claveo, c'est le clou. Mais c'est également la pernette du potier, sorte de barrette triangulaire de terre cuite destinée à limiter le contact entre les pièces au moment de leur cuisson au four. Mais on trouve également, comme autre mot, vite, avite, punch, agu, qui sont autant de moyens de fixation très piquants. Ce musée où nous sommes, Michel Ribeiro, musée de la poterie ici à Valoris, rue Sicard, pour être précis. Pourquoi avoir créé ce musée? Ah ben c'est un peu, j'allais dire, c'est pas de la nostalgie, c'est un peu le... en parlant des anciens, leur rendre un peu hommage parce qu'ils ont tellement trimé et peiné que je me suis dit, ces outils, il ne faut pas qu'ils se perdent. Alors en fait, c'est un cheminement dans l'espace que vous avez voulu faire entre le moment où la Terre arrive et le moment où elle s'en va, elle repart sous l'aspect d'une poterie. Ou alors c'est un cheminement dans le temps? C'est plus un cheminement dans le temps parce qu'on a, on a bien sûr la préparation de l'argile, pas comme je l'aurais aimé le faire, parce que là, on a des machines qui sont très récentes, hein, elles ont 50 ou 60 ans, mais il aurait fallu montrer la façon dont on préparait l'argile encore au début du siècle, c'était très intéressant, mais c'est un cheminement dans le temps avec la fabrication, les outils qu'on utilisait, la dureté. Et j'ai essayé de retranscrire la dureté du travail, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, on aboutit dans l'atelier actuel, là où on produit encore, là où on travaille, où c'est encore, j'allais dire, vivant. Et avec une mécanisation qui s'est faite au fur et à mesure des années, et un autre outil de travail, une autre façon d'envisager la fabrication de la poterie, de la céramique. Donc c'est un petit voyage d'un siècle, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que tout est bien cloisonné dans ces ateliers, hein. C'est une succession de petits ateliers. Oui, c'était un dédale de pièces. Bien souvent, les fabriques qui ont été construites après 1860, elles avaient été vraiment faites sur mesure pour la fabrication des marmites. Donc il y avait une salle où on stockait la terre, on la pétrissait, une salle où on la tournait, les endroits pour faire sécher les poteries, en général au premier étage, la cour de vin qui était très grande, qui permettait de battre la terre, de laisser sécher les pièces, et le four, bien sûr, le four qui est l'âme. Là, il n'y a que le four. Hein. Voilà, c'est l'âme de l'atelier, quoi. c'est le feu de création. À la fin du siècle dernier, avec les riches vacanciers qui viennent hiverner sur la Côte d'Azur, arrive une autre forme de poterie, on l'appellera plus tard la poterie décorative. En 1862, l'arrivée du chemin de fer va précipiter l'apparition de la céramique décorative à Valoris. D'Angleterre, d'Allemagne et de Russie, l'aristocratie vient hiverner sur la Côte d'Azur. Et les frères Jérôme et Clément Massier vont vite comprendre l'intérêt qu'il y a à fournir toute cette belle société en pièces décoratives.
On trouve aujourd'hui au château-musée de Valoris tout ce qui a fait le succès des entreprises Massier. Lorsque Clément Massier s'installe à Golfe-Juan pour être plus près de la gare et de la station balnéaire en 1883, il ouvre aussi des boutiques à Paris. Ses clients s'appellent Zola, Victor Hugo, Georges Sand, Charles Gounod, Frédéric Mistral, Reine Victoria ou Roi de Suède. Or assyrien, rouge flamme ou bleu de Pan, Clément effectue de nombreuses recherches sur les émaux pour obtenir des couleurs inégalées. Il s'intéresse aux reflets métalliques, qui représentent le nec plus ultra de la production, même si ce sont surtout des objets plus communs qui le font vivre. L'art nouveau est en pleine expansion. La céramique décorative, une nécessité pour meubler les riches villas qui se construisent. En 1897, Clément emploie 64 personnes. Son frère Delphin, 77. Leur cousin Jérôme, 52. Leur somptueuse villa à Valoris étale des richesses dont les restes témoignent encore du faste qu'elle déployait. Les Massier étaient potiers de père en fils et déjà connus pour leur production bleu turquoise, où l'on retrouve l'exubérance et la diversité des formes en vogue à l'époque. Et comme dans toute aventure, les débuts ont été laborieux, comme le racontait la fille de Clément Massier, Anne-Marie Moreau. La grand-mère de Clément Massier, donc son arrière-grand-mère, allait à Grasse, sur les alambics, gratter l'oxyde de cuivre pour faire des préparations. Et c'est de là qu'on a fait les premiers turquoises. D'où l'engouement des turquoises avec les grenouilles, avec les balustres, avec les cabochons qu'on trouve sur les maisons de la côte. Je pense que ça a été le début, la diversification, donc le début de la céramique d'art, si on peut dire. Delphin Massier meurt en 1907, son frère Clément en 1911. La Première Guerre mondiale met un terme à une production passée de mode. Un musée privé, tenu par les héritiers, fonctionne jusque dans les années 1980. Un luxe que les successeurs n'ont pas pu se permettre, même si leur volonté de maintenir le patrimoine demeure. L'expérience des Massier inspire Jean Gaziello. Jean Barol s'installe en 1913 avec une production art déco fort intéressante. Avec ses amis Alexandre, Karl, Sicard, il participe à l'atelier BAC. Tous disparaissent avec la crise de 1929. En 1930, un ancien ouvrier de chez Massier, Jean Gerbineau, qui est passé par l'Algérie, et la famille Pichon, qui pratique la technique des terres mêlées ou du nériage à Uzès, déposent un brevet de fabrication pour les céramiques mosaïques de terre colorée, dont le secret demeure 5 générations plus tard. De nombreux collègues s'y sont intéressés, ont essayé de comprendre comment c'était réalisé, ont essayé d'acquérir les tours de main nécessaires à la réalisation des mosaïques. Et puis ça s'est progressivement éteint. Et à l'heure actuelle, plus personne, à ma connaissance, plus personne à Valoris n'essaye d'en faire. Hein. Chaque céramiste qui s'est succédé dans la dynastie Gerbineau a apporté sa patte, soit par l'introduction de décors, je pense par exemple à Ange Capral, Gerbineau III, qui a introduit en particulier des oiseaux dans les décors. À mon niveau, c'est plutôt ma formation d'ingénieur qui est intervenue et dans les pièces uniques, où je fais beaucoup de pièces très géométriques, très architecturées, c'est à ce niveau-là. Et à la même époque, au début du siècle, alors que la poterie décorative fait son apparition, il y a dans les usines où là on fabrique toujours du culinaire, des conflits sociaux. On casse la vaisselle, Michel Ribeiro. Non, on ne casse pas la vaisselle. C'est-à-dire que les patrons cassaient les prix. Ça se pratique toujours plus ou moins, mais il y avait des concurrences effroyables entre patrons, il y a eu des retentissements sur les salaires, donc il y a eu un syndicat qui s'était monté au siècle dernier, fin du siècle dernier, et des grèves assez importantes. Et en 1908, entre autres, il y a eu un lockout, les patrons ont fermé les fabriques. Ça a duré 4 mois et demi. 4 mois et demi ? 4 mois et demi sans salaire, je peux vous dire que ça ne devait pas être facile et drôle à cette époque-là. Et les ouvriers ont tenu bon, ils se sont unis et ils ont gagné. Ils ont gagné au mois de décembre 1908 et ils ont réussi à avoir une augmentation de salaire.
Pour en revenir au tourisme, est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est l'essentiel des ventes de Valoris ? En ce qui me concerne, je ne parlerai pas pour mes confrères, mais en ce qui me concerne, oui, c'est une activité très importante. C'est devenu très saisonnier, c'est-à-dire qu'on travaille dans la période estivale. Et mes clients, en général, se situent vraiment... qui travaillent avec le tourisme, donc se situent durant la période d'été. Mais il n'y a pas un renouveau de la poterie culinaire ? Par exemple, ça, là, ça revient à la mode, pour tourner les omelettes. Là, regardez comment c'est pratique, ça. Le vire-omelette, c'est une forme ancienne qui a été reprise par plusieurs potiers de Valoris qui se remettent à faire des marmites à l'ancienne. Là, c'est votre voisin qui fait aussi ces platartes, c'est M. Murator, Christian Murator, qui travaille et qui fait encore toute une gamme de produits utilitaires comme ça, qui se vend malgré tout et qui a encore des beaux jours devant lui. Merci pour votre accueil. À notre table, vous avez reconnu Sophie. Le temps d'une petite musique, elle nous dit tout sur le musée. Alors Sophie Toquillier, depuis ce matin dans ce musée, quand peut-on y venir tous les jours ? Très facile, en effet on peut y venir tous les jours de 9h à midi et de 14h à 18h. Je ne sais pas si ça a été dit, mais en tout cas c'est un musée qui est privé. Alors dans ce musée naturellement on trouve des poteries traditionnelles, des poteries plutôt à caractère artistique et puis alors deux magnifiques mannequins, parce que moi je dois le dire, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis rentrée dans ce musée, donc les mannequins de Picasso et de Camos qui ont été faits par le musée Grévin. Alors juste à côté de ce musée il y a aussi l'atelier d'ailleurs où nous étions hier et où on trouve tous les appareils pour préparer l'argile et les vernis. Alors, outre ce musée de la poterie, je voudrais quand même aussi vous citer le potier conteur. Le potier conteur qui s'appelle Maurice Boiron. Et ce monsieur fait des animations. Alors, il fait des animations, c'est-à-dire qu'il fait les tournages. Et en même temps, il compte et il compte l'histoire de Valoris. Et enfin, pour terminer, il ne faut pas oublier, bien sûr, toutes les visites des poteries chez Nathalie. Je ne voudrais pas abîmer le nom, voilà. Chez Nathalie qui, en effet, se consacre exclusivement aux visiteurs et où on trouve naturellement toutes les poteries. Et puis souvent, il y a des rumeurs qui courent sur les poteries que l'on trouve ici à Valoris. Sachez que derrière chaque magasin, il y a un atelier. Absolument. Hein, et que c'est souvent fabriqué ici. Et puis de toute façon, c'est écrit. Hein, c'est facile, il suffit d'aller voir derrière. Là, il y a un tampon, c'est gravé, il y a bien écrit Valoris. Alors, c'est une preuve de l'authenticité de la pièce. Dans ce musée, est-ce qu'on peut y venir avec son chien ? Oh, il vaut mieux quand même éviter de venir avec son chien. Parce qu'il y a avec son éléphant, alors peut-être. Alors, son éléphant, c'est tout à fait recommandé, ce genre de choses, absolument. À demain, Sophie. Demain, avec toi, nous parlerons de livres. Oui, absolument. Hein, car on a beaucoup écrit sur non, la poterie. Non, peu. C'est-à-dire qu'on a peu écrit sur Picasso et la céramique. Je vous en parle demain. Bon, et moi, très bien. Alors, passez une bonne journée. Dans un instant, un rappel météo. Ce soir, 19h07, les informations. Et on se revoit à Valoris demain à 1h05. À demain.